Welcome to Nam Journal, our daily English news bulletin on NetVIET VTC 10. I'm Ngoc Nhat speaking from Hanoi. Every day we bring you comprehensive and up-to-date information on Vietnam and following our major stories on Saturday. Vietnamese belly dance artists win international prizes. Vietnamese dancer Đỗ Thị Hồng Hạnh and her team won the three top prizes at the Asia Global Belly Dance 2011 in Singapore. The competition took place late July, attracting many contestants from across the Asia-Pacific region. Let's get to know about these Vietnamese winners and this kind of art. The team's performance, named Vietnam, The Hidden Charm, was a combination of the image of lotus and the tribal fusion belly dance style. It reflected the beauty of Vietnamese ladies and tradition. Hồng Hạnh designed and made all the costumes and accessories herself. The costume is about the traditional costume of Vietnam. We have about seven parts of the costume. The conical hat and the top and the bra, the belt and áo dài, the under of áo dài. And we made by so many kind of material, and most expensive is crystal. All of them are crystal. Han started dancing in the beginning of 2008. After several months, she had a chance to study with Sadi, one of the greatest belly dance artists worldwide. From that workshop, she learned a lot of sophisticated techniques to become a good dancer. At first, she offered free belly dance classes for several months in Haiphong. Since then, she has created three more studios in Hanoi. And one of the most important things I have made is that I bring the belly dance for the children. Up to now, I just got only one and unique belly dance for children called Mini Star Group. Mini Star Group is about the children from 3 years old to 10 years old. And they are so cute, so talented, and they dance everywhere, every program, every charity show, and that brings a new experience of belly dancing in Vietnam. Belly dance has become more and more popular in the Asian country, but Han thinks there is still a long way to go to make this art widely recognized. In the world, in Asia, a lot of countries that create belly dance competition, they bring their country is made to the world and invite the world guests come to the country. In Vietnam, we don't have any competition like that. And I hope Vietnam win support for us a lot, like they just support for dance sport. You can see that dance sport is very strong now, but belly dance is quite new. But up to now, Vietnam belly dance have quite a good image in international competition. Why don't we have a competition in Vietnam? Hopefully in the future, this form of dance will spread and develop as Han hopes and find its way into the hearts of the Vietnamese people. That was a beautiful belly dancing artist of Vietnam. Her story has wrapped up our Vietnam Journal for today from all of us here at NetVIET VTC 10. Thank you for watching. We wish you a happy weekend and see you tomorrow. Giá trị Việt ra khắp năm châu. Rencontre avec Đỗ Hồng Hạnh, leader du groupe de danse orientale Sadi, qui a remporté en juillet dernier les trois premiers prix au concours Asia Global Belly Dance 2011 à Singapour. En juillet dernier, la danseuse orientale Đỗ Hồng Hạnh et deux autres danseuses du groupe Sadi ont remporté les trois premiers prix du concours Asia Global Belly Dance 2011 organisé à Singapour. Ce brillant résultat est dû en grande partie aux contributions de Đỗ Hồng Hạnh, danseuse et leader du groupe. C'est elle qui a pris en charge la chorégraphie, le style de représentation et les costumes.
En donnant la représentation intitulée « Vietnam, charme caché », elle a réussi à promouvoir la culture vietnamienne auprès d'un public étranger. Faisons sa connaissance. Voici un extrait de la représentation du groupe vietnamien de danse du ventre Cédi au concours Asia Global Belly Dance 2011. Cette représentation commence par l'apparition de trois danseuses orientales. Do Hồng Hạnh d'abord, puis les deux autres membres du groupe. Leur apparition crée une atmosphère mystérieuse grâce aux effets des costumes, de la musique et de la lumière. Du début à la fin de ce numéro de danse, l'image de la fleur de lotus ressort à travers la chorégraphie du groupe, une idée de la danseuse orientale Do Hồng Hạnh. Lors de cette représentation intitulée Vietnam charme caché, une combinaison de différentes techniques à travers cette représentation, nous voulions présenter au public international l'image du Vietnam. Ainsi, nous portions la robe traditionnelle vietnamienne, le áo dài. Bien évidemment, cette robe a été quelque peu modifiée pour s'adapter au style de la danse orientale. Nous avons introduit dans ce numéro de danse plusieurs spécificités de la culture vietnamienne, comme le chapeau bonique et l'image de la fleur de lotus. Par le biais de cette représentation, nous voulons dire au public international que les Vietnamiens sont accueillants. La musique est tantôt douce, tantôt forte, rapide ou joyeuse, pour signifier que les Vietnamiens savent surmonter les difficultés pour rendre leur vie plus belle. Ce concours a réuni des danseuses venues de différents pays d'Asie et d'Europe, à savoir la Malaisie, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, la Chine ou l'Italie. Hồng Hạnh cherche toujours la moindre occasion pour promouvoir l'image du Vietnam. Par exemple, lors de la cérémonie de remise des prix, elle a eu l'idée de saluer le spectateur à la façon vietnamienne. Une main tenant la coupe, l'autre se tendant pour dire aux amis internationaux qu'ils sont les bienvenus au Vietnam. Avant de prendre part à cette compétition, Hồng Hạnh et ses deux acolytes ont travaillé d'arrache-pied pendant un mois et demi. Ils ont préparé 8 numéros de danse, ce qui représente un énorme travail. L'obtention des 3 premiers prix lors du concours Asia Global Belly Dance 2011 s'explique en grande partie par les contributions de Hồng Hạnh. Celle-ci a également obtenu l'estime de ses collègues. Passionné par la danse du ventre et professionnel, voilà comment je caractériserai la danseuse Hồng Hạnh. Hồng Hạnh a commencé à participer à des compétitions internationales de danse orientale à partir de 2009. Jusqu'à présent, elle a pris part à 4 concours de ce genre. Elle est toujours partante pour participer à ces compétitions qui constituent pour elle le meilleur moyen pour progresser. Son emploi du temps était chargé, partagé entre son travail dans une compagnie et ses entraînements permanents avec les membres de son groupe de danse orientale Cédi. Ses entraînements lui permettent de s'améliorer continuellement. Elle a atteint son rêve en créant un groupe professionnel qui donne des représentations dans tout le Vietnam et à l'étranger. Elle participe également à des activités caritatives en donnant des représentations dont le but est de mobiliser des fonds pour les enfants démunis. Compte tenu des bienfaits de la danse orientale pour le physique et le moral, Hồng Hạnh encourage les autres à la pratiquer. Elle organise donc des classes de danse orientale qui attirent des adeptes âgés de 2 ans et demi à 73 ans. Cela fait 3 ans que je suis du coup de danse du ventre donné par la danseuse Hồng Hạnh. Ce que j'aime le plus dans ce cours est de pouvoir décompresser lorsque je suis stressée.
De plus, Hồng Hạnh est très patiente pour nous apprendre à exécuter des mouvements difficiles. Grâce à ses méthodes d'enseignement, nous ne trouvons pas qu'il est trop difficile de pratiquer la danse orientale. Chị luôn cố gắng truyền đạt những cái gì mà dễ hiểu nhất đến với chúng em là luôn tận tình chỉ dạy những. Je vois une grande passion pour la danse du ventre chez la danseuse Hồng Hạnh. Elle prend son temps pour enseigner à chacun d'entre nous de façon très détaillée. Cela porte ses fruits. Nos mouvements sont devenus plus souples. Hồng Hạnh s'est initiée à la danse orientale en 2008 et est tombée presque tout de suite sous le charme de cette danse. Depuis, elle suit des cours de danse orientale donnés par deux danseuses américaines très réputées. Aujourd'hui, la jeune danseuse dispose d'un frais trésor de 300 DVD et VCD des spectacles de danseurs orientaux internationaux. Ces disques lui permettent d'enrichir sans cesse ses expériences de danseuse.